Salut, c'est Mickaël et Yoran. Stop. Arrête le match-up, s'il te plaît. Faut que je me confie. La moto, là, à droite, la grise, déjà, de 1, c'est pas la mienne, c'est celle de mon père. Et de 2, j'ai même pas le droit de la conduire, c'est Mika qui l'a amenée ici. Faut que je vous explique. Mika et moi, on a appris à conduire des motos aux Philippines. Enfin, c'est plus notre pote Jafet qui nous a montré comment faire derrière le parking d'une station essence. Mais une fois compris, on était inarrêtables. Shooting, road trip, et surtout, faire les cons, on s'est pas arrêté. On faisait plein de sortes de conneries. Mais surtout, on faisait gaffe, parce que le SWAT philippino, il peut tomber dessus à n'importe quel bout de rue. Là-bas, la moto, on l'utilisait tous les jours. Au début, on n'était pas confiant dans le trafic local. Mais après, on s'est vite rassuré et on est parti explorer les recoins de Negros avec. Depuis, la moto est devenue un symbole de liberté pour moi. Les sensations, les virages, la vitesse, tout est décuplé. Tu ressens vraiment le grain de la route. Il suffit d'une poussée sur l'accélérateur pour que tu le ressentes. Mais comme je vous le disais au début, j'ai pas le permis. Alors j'ai pris une décision. Je passe le permis moto. Salut, c'est Mickaël et Yoran. On est potes depuis la maternelle. On est tous les deux passionnés de photos et de vidéos. Que ce soit dans la musique, le sport ou l'exploration, on a une tonne de projets à réaliser. Mais ce qui nous manque le plus, c'est le temps. On a donc noté dans un carnet les objectifs qui nous tiennent le plus à cœur. Et on s'est donné une date pour les accomplir. Afin de maîtriser le temps, on tient une série de carnets de bord filmés. Les gloves. Et au fait, on a surnommé notre duo l'intuition, parce qu'on écoute que la nôtre. C'est bon, je suis inscrit au permis moto, chez Triskel Automoto. Eux, c'est Steph et Alex, mes deux moniteurs. C'est Alex qui s'est pas mal occupé de moi au début. C'est lui, là. Il conduit depuis qu'il a 18 ans et comme vous voyez, il sait conduire sans les mains. Alors forcément, je vais l'écouter. Il a commencé par me réexpliquer les bases parce que j'avais pris des mauvaises habitudes aux Philippines. Notamment dans les virages et dans le positionnement de mon corps. Alors il m'a réexpliqué tout ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Au permis moto, comme pour le permis voiture, ça commence avec une première séance d'évaluation. Moi, j'ai été évalué plus ou moins à 25 heures. Après avoir travaillé sur les courbes, on s'est penché sur le freinage d'urgence. D'ailleurs, c'est ça un freinage d'urgence. Là, il était à 60 km/h. Comme le montre Alex, c'est un verrouillage articulaire. On verrouille les coudes, puis on dose les freins. C'est super utile. Ça évite que la roue se coince et que la moto chasse. On a fini la séance sur le freinage d'urgence. D'ailleurs, je vais vous faire suivre mon évolution à travers les gloves. Ça va être intéressant et riche. Alors vous allez vite me revoir sur la piste. Pendant que Gavin passait son permis moto, je suis parti au Finistère faire des travaux pour de la famille. Et bien sûr, j'en ai profité pour faire voler Hermès. C'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? J'avais ni la bouffe ni l'assiette, maintenant j'ai les deux. Ils me jugeront tout un siècle, se prendraient-ils pour Dieu? Si le seul guide c'est le ciel, pourquoi baisser les yeux? En volant dans tous ces spots inspirants, ça m'a rappelé qu'on a pas mal de projets sur la touche. Il était temps de revenir sereine. On s'est retrouvé au bistrot. C'est un café où on va souvent quand on a envie de parler de projets. Et là clairement on en a une tonne de projets. On va montrer tout ça dans les prochains gloves. On en a également profité pour régler certains détails par rapport à Gova. Notamment un gros détail, c'est qu'on a perdu l'actrice
qui était privé à l'origine, et du coup c'est Jade qui a pris la place. On a dû remanier le scénario, et on a déjà pu commencer le tournage. On a appelé ça le shooting chez Sophie, mais en vérité c'est même pas chez Sophie. C'est chez Marion. Moi c'est la première fois que je viens ici. Mika, lui, c'est la deuxième. Il était déjà passé une première fois pour faire un shooting. Ouais, j'ai déjà shooté ici en septembre. Et clairement, la vue est tellement stylée avec la cathédrale en fond qu'on était obligé de revenir. Avec Sophie. Marion est là, mais malheureusement, elle peut pas poser. Elle est malade. Tis, qui est de la partie. Et bien sûr et surtout, Willow, la star. Par contre, nous, on trouve que Willow, normalement, c'est lui. C'est pas à la hauteur. Mais papa, là je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Faut qu'on vienne en arrière. Voilà. Là c'est plus dans l'ordre des choses. On a commencé par installer Sophie, cheveux détachés, avec la cathédrale en fond. On avait une belle lumière, le soleil était en train de se coucher. Tu m'énerves. Regarde, tu de complètement de profil, droit devant toi. Comme ça. Tac. Elle avait l'air vénère. Pardon. C'est même pas chez elle en plus. Sophie a proposé de s'attacher les cheveux et elle et ses Michael se sont disputés sur la direction artistique. Dans le contexte. Non. Ok, d'accord. Dans le contexte, je suis chez mon. Mona Lisa. What's the point of seeing Caesar if you lose such a Jesus? There I pledge my allegiance. I stumbled into greatness. Only logical conclusion is I fumble with the fakeness. But rumble, young man, rumble. Anything that doesn't kill you makes you stronger or more humble. Been digging through this tunnel, thinking why I'm patient. Never been afraid to holler out, my God's the greatest. Ain't gotta make sense, man, I used to make tense. If my life is a vacation, what am I chasing? You see, friends come and go, but family is forever, especially in your lows. Not just blood. Ain't trying to keep up with the Joneses, cause the clones may end up becoming homeless. I ain't stuck, and my actions they can show. And if they don't, then God forgive me for my woes. Après la cigarette, on a pris l'option du livre. Et franchement, Sophie, étudiante en littérature, ça lui va carrément bien. Je suis grave content de ces photos-là. Celle-ci, je pense que c'est ma série photo préférée de Sophie. J'adore les couleurs bleues, désaturées, qui teintent un peu sur le cyan. Et je trouve que la série photo dégage vraiment quelque chose, qu'elle a vraiment une âme. On avait déjà fait pas mal de photos de Sophie, et on attendait Tissem. Mais... Tissem est toujours en retard, alors du coup on a un peu fait les cons au bord des fenêtres. On a profité un peu pour poser aussi. Et le soleil commençait à se coucher, et du coup je suis allé voir à l'autre fenêtre et regarder ce que j'ai trouvé. L'appart de Marion est vraiment canon. C'est la tour des horizons, un bâtiment connu à Rennes. On en a profité pour prendre quelques photos et ensuite on s'est chargé de l'ambiance générale du lieu. Et quand tout à coup... Oh, ça se tease. Quand tout à coup, Tiss est arrivé, enfin, après 2 heures de retard. Le soleil était couché, mais c'est pas grave, on en a profité pour sortir les coronas et trinquer tous ensemble. Tiss, c'est une pile électrique. C'est super intuitif de shooter avec elle parce qu'elle dégage toujours un truc. Regarde. Après la cigarette, le livre, on a choisi la corona. D'ailleurs, Tiss, si tu passes par là, on envisage de vendre ces photos à Corona. Donc dis-nous si t'es d'accord ou pas. Tu peux avoir un coup de corona. Tu veux me bourrer la gueule parce que tu sens après. T'arrives à l'eau goulot, tu vois. Turn to the right, turn to the left and do a little dip.
Willow, c'est parfait pour finir le shooting chez Sophie. Après, on n'a pas trop traîné. Marion était pas mal fatigué à cause de son allergie, du coup on est tous rentrés. Ça, c'est Jade, le 11 janvier, à 13h. Et ça, c'est toujours Jade, le 11 janvier toujours, à 19h. Et ça, c'est les vêtements de Jade, à 21h. En gros, il y a un spot qu'on kiffe de ouf. Nous, on l'appelle la Lune. Et on a toujours rêvé d'y faire un clip. Et ça tombait plutôt bien, parce que Jade avait un projet de clip, justement. Ça va, Jade ? Faute de balade. Ah, wesh ? Ouais. Là, on était en train de faire le montage avec Gurban, ouais. Et on s'est dit que nous, si jamais en commentaire, on allait voir ça d'un point de vue technique, mais vu que le tournage, il était pas simple, il était intense, on voulait plutôt avoir ton impression à toi. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Bah, c'était dur. C'était dur de ouf. Vas-y, moi je mets des bijoux pour aller dans le sable. Attends, mais. Ah, c'était ouf. Ça va ? Vous allez me tuer ? Non, c'est bon, vas-y, tranquille. Tranquille. Prends. Tu crois, moi je suis qui ? Vas-y, remonte. Non, mais. Calme-toi. Ouais, faut regarder, comme ça. Première étape pour monter la dune là. Bah, c'était infernal. C'était pas une dune, c'était une montagne, hein, je ouais, crois. Ouais, c'était. Mais non, mais arrête, gros. Ça va, Jade ? Attends, et l'eau, du coup, t'en as pensé quoi quand t'as vu l'état de l'eau ? T'avais envie d'aller là-dedans ou pas ? En vrai, je te promets, j'ai pas réfléchi. De base, c'était convenu que j'aille dans l'eau, tu vois. Et après, vous étiez un peu perplexe en mode ouais, bah l'eau elle est un peu dégueu, il y en a beaucoup moins que prévu. Donc est-ce qu'on y va ? Et moi, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit bah dans tous les cas, j'y vais. Donc. Mais c'est cool, parce que tu sais que moi j'étais en train de remettre en cause, je me disais vas-y, on va pas faire ça dans l'eau. Ouais. Et c'est toi qui m'as dit, mais vas-y, si on le fait. Bah, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on le ferait pas. Genre, c'est de l'eau, ça va pas me tuer, même si elle est bleue, violette, marron, ce que tu veux. Tu devais avoir froid, hein. J'avais trop froid et en plus, je suis restée du coup pendant, ouais, après, je sais pas combien de temps, peut-être une heure encore habillée, mouillée, dans la terre, le sable, ce que tu veux, à faire des efforts physiques. Donc, déjà. Je crois que c'était plus lourd parce que j'étais mouillée, ouais. Et j'étais fatiguée et j'étais, mais c'était trop bien. Moi, c'est, je crois que, enfin, c'est un de mes tournages préférés parce que, enfin, vraiment, j'ai tout donné de ma personne. Tu vois, j'ai donné mes larmes. Globalement, en faisant cette vidéo, tu voulais annoncer quelque chose, non ? Ouais, en fait, c'est un peu pour mettre une pause, tu vois, faire une pause parce que je vais grave me consacrer sur tous mes projets. Et du coup, je vais mettre cette vidéo et après ça, je posterai plus rien jusqu'à ce que je sorte mon projet, tu vois. Et tout ce qui s'est passé avant, c'est pas je l'oublie, mais c'est vraiment. J'essaye d'enlever toutes les mauvaises choses et là, je reprends grâce sur un bon pied, tu vois. Et je me dis, vas-y, je vais plus laisser passer. C'est comme si tu le rangeais en fait. Ouais, je le range, tu vois. Tu l'oublies pas, mais ouais, tu l'as mis de côté. Ouais, d'ouf, parce qu'il y a grave. Enfin, j'oublie rien, mais c'était dur et là, j'ai envie de tout ce qui a été dur pour moi, de mettre toute cette énergie, je pense, dans quelque chose de positif et pas de négatif. Clairement, ce clip, je sais même pas si on doit appeler ça un clip. Après, en tout cas, nous, on l'a tourné comme si c'en était un. Et on doit un immense merci à Jade, qui a géré de ouf. Mais ça, je pense que tu peux le voir toi-même. Elle s'est donnée jusqu'au bout. Mais aussi, un immense merci à Anytime. C'est le beatmaker qui a fait le son. Et il nous a pondu ça en 24 heures à peine.
fait un taf incroyable et on va clairement te le présenter dans un prochain Glove et on va sûrement mettre d'autres musiques à lui. Un mot pour la fin du Glove, Jeannot ? Ne faites jamais ça. Tu veux revenir avec nous du coup, tu disais, en expédition ? On rentre ? Oui. Tiens d'ailleurs, là il est 20h43, c'est juste avant qu'on upload le Glove. On a mis la vidéo finie de Jade sur une nouvelle chaîne qu'on a appelée l'Intuition Production. Il y aura pas mal de nos créations qui vont suivre dessus. On vous met le lien de la suggestion dans la description de la vidéo. De toute manière, YouTube vous proposera de la regarder juste après ça. Bonne soirée tout le monde.